tous, c'est Tony. Bon, mais j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo sur Digimon. Une deuxième partie pour la découverte du jeu. Parce que bon, c'est vrai que la première, on n'a pas eu trop eu le temps de voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est à la suite. Hein, c'est à la suite. C'est. J'ai pas joué entre temps. Donc, c'est parti. Vous voyez, de toute façon, jour 1. Hein. Donc, on a des récompenses apparemment. Donc toujours Ina qui nous parle. Donc voilà, donc apparemment, regardez, on voit de mes Digimon qui se baladent dans ma ville là. Donc c'est encore le tuto, hein. C'est encore le tuto, donc on va le finir pour faire la... Finir la découverte quoi. Donc apparemment on a des missions tous les jours. Please tap explore. Alors explorer... D'accord, il y a des aventures, il y a plein de choses à faire en fait dans ce jeu. Ouais, bah alors. Écoute, on va faire ça. Ah, on peut faire les aventures en coop en plus. Ça peut être intéressant, ça par contre. On va mettre solo hein, parce que là pour l'instant on n'a personne dans le jeu. Alors ouais apparemment donc j'ai lui un leader. Donc j'aurais bien aimé voir le les compétences des mecs. Lui il est meilleur en ça. Donc lui on va le laisser parce que c'est la base. Je pense que je vais enlever l'oiseau. Je vais enlever l'oiseau, je pense. Et je vais mettre le chien. Voilà. On va faire ça. On va partir avec cette team. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de chargements, je trouve, dans ce jeu. Déjà, la mise à jour, là, elle a mis 20 ans. Bon, après, c'est normal, hein, le jeu, je viens de le télécharger. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti. Alors vous voyez ça rame. Allez, direct du fight, ça c'est cool. Alors, ouais, on va attaquer lui. Non, lui. Ouf. Alors les arbres. On va direct leur faire une grosse attaque. Pour voir ce que ça donne. Non merde. Ah voilà, c'est efficace. C'est ce que je pensais. Ouais, c'est vrai que le chien est niveau 1, donc il va falloir qu'il monte quoi. Belle. Allez, un moins. Aïe 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 aïe, il me l'a défoncé le chien, putain. J'espère qu'il prend de l'expérience même s'il crève. Ouais, on a réussi à voir lui. Il ne manque le dernier. Bon, j'avoue que le système de combat est pas mal. Hein. J'aime bien, moi. J'aime bien le petit tour par tour comme ça. C'est joli, c'est bien fait. Franchement, rien à dire. C'est un jeu qui peut me plaire au final. Même si je connais pas cet univers-là.
Allez, voilà. Ah ouais, d'accord, il y a encore des niveaux, mais putain, mais je suis dans la merde. Ah, j'ai pas de digistone. Bon, en fait, je me suis enflammé, quoi. J'ai voulu faire l'aventure pour voir, mais je ne suis pas du tout assez fort. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Oh oui, il va me casser la gueule. Bah adieu les amis. Adios. Donc ça n'a pas pris. Donc qu'est-ce que ça fait quand on a perdu? Ça fait rien, on n'a rien, même pas d'expert, rien. Ah, on peut les améliorer. D'accord. Ok, donc il va nous falloir du fric aussi, ok. Alors j'ai vu que j'avais du poulet, on va le prendre. Comme ça on va pouvoir les améliorer. On va prendre nos récompenses aussi. On va essayer de les améliorer pour aller... Merde, Clem, oh il y avait marqué, moi je me fais chier à tout prendre, putain. Alors news, qu'est-ce que c'est ça? Ouais bon ça on s'en fout. Alors tout à l'heure, exchange, c'est quoi? Je comprends pas trop tout, hein, je vous le dis. Ah, ça c'est pour changer sa ville. Shop. Regardez un peu le shop quand même. Ah ben regardez. On va pouvoir mettre ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais au moins on le met. Ah mais c'est le truc d'exchange qui parlait tout à l'heure. On va récupérer ça. Donc ça maintenant, on l'a maintenant. Chose de fragment. Machin. Ah ouais, j'en ai eu un en plus tout à l'heure. Il me semble que j'ai eu un truc tout à l'heure. Bon, on verra plus tard ça, apparemment, ce n'est pas bon pour l'instant. Alors, allez, on va aller entraîner ces petits Digimon là. Donc on va essayer de monter le chien quand même. Passe niveau 3. Mais le chien, je l'ai pas trouvé terrible pour le moment. Donc on va monter lui. J'en ai combien? J'en ai 6. On va lui en donner 3. Non, 2 à lui.
Ça n'a monté que niveau 4. Allez, on lui en donne 3. On lui en donne. Et on va monter l'insecte aussi. Il est là. Voilà, alors ça c'est fait. Apparemment, on peut entraîner avec d'autres trucs aussi. Alors, je sais pas comment. Ah oui, j'ai compris, ça c'est pour donner d'autres personnages, donc pour l'instant on n'en a pas. Les recherches. Je suis en train de tout regarder, au moins on aura tout vu ensemble. D'accord, il faut des œufs. Ok. Ok. Et là, upgrade. Non, Digimon, ouais, voilà. Bon, c'est mort. Alors on va récupérer encore de la bouffe. 3. On va faire la mission alors. Ah, voilà. Harvest Vermeat from your field. Alors farm. Ok, non mais c'est pas ça. Alors explorer, voilà, c'est là. Voilà, c'est normal quest qu'il faut que je fasse. Normal quest. Voilà. Allez, mais les amis, on va faire cette petite quête et puis on va en rester là pour la deuxième partie de la découverte. Donc, ce jeu est pas mal, hein. Je m'y mets bien dedans. Je trouve pas mal. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Ça a l'air d'être intéressant de faire évoluer ces Digimon, etc. Donc plutôt pas mal. Donc dites-moi si vous voulez que j'en fasse ou pas. Pourquoi pas, je pourrais en faire de temps en temps. Et voilà. J'ai voulu commencer trop, moi. N'a même pas besoin de faire les grosses attaques. Ah, il est costaud, lui, par contre. Elecmon. Maintenant, on va voir s'il crée sa propre électricité. Impeccable. Alors, est-ce que ça leur donne pas mal de choses? On va voir. Déjà, ça me donne un peu de fric. Un petit peu d'XP. Ah, ben voilà, ben c'est impeccable. C'est impeccable. Bon, mais voilà, les amis, bah écoutez, voilà pour ce deuxième épisode découverte. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que j'en fasse. Je pense que je vais en faire un peu. Je vais y jouer un peu à ce jeu, il me plaît. Ça me change un peu et je trouve plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!